So for everyone watching, can you please introduce yourself in a few words? Daouda Karaboué, ex-gardien de but de l'équipe de France de handball, aujourd'hui entraîneur et responsable des gardiens de but de l'équipe de France. You are here for the Musser Coach Program. Why do you think it's important for coaches these days to attend these courses? Je pense qu'il est important de s'enrichir, puisque une seule personne ne détient pas la vérité. Nous avons, nous autres Français, on s'est inspiré des autres cultures pour avoir une façon de travailler. Tout à l'heure, j'ai expliqué que nous, les Français, on s'est inspiré des Roumains, des autres pays de l'Est et autres, pour construire notre façon de jouer, la façon française de jouer. Et donc, je pense que nous ne détenons pas le seul savoir. Le savoir, il est de partout. Donc, c'est important de partager, mais aussi de confronter les savoirs, c'est-à-dire ce que moi je sais par rapport à d'autres personnes et leur savoir aussi. À partir de ce moment-là, je pense que c'est comme ça qu'on construit une évolution et qu'on améliore les façons de travailler. If there was to pick one thing from what you taught them today, what you spoke about, what would that be for them to remember after your lecture? Ça serait, je voudrais juste faire remarquer que le mental du gardien de but, pour moi, est la première chose et la chose la plus déterminante. À partir du mental, c'est à partir de là qu'on peut faire évoluer énormément de choses. Et si le jeune gardien ou le gardien professionnel a un petit niveau de mental, forcément la difficulté va être énorme. Tandis qu'un gardien avec un mental, c'est quelque chose qui te permet de quasiment tout travailler. Et je me rappelle qu'en mettant des exercices, une fois à la maison du handball, en mettant des exercices pour des entraîneurs, pour qu'ils puissent regarder le travail du gardien de but, mais aussi par rapport à la combativité du gardien de but, ils se sont rendus compte que, une fois que je mettais l'exercice en place avec un ballon dans les mains et qui donc donne une plus grande contrainte, les gardiens se sont surpassés pour essayer de réaliser l'exercice, à tel point que lorsque j'ai refait le même exercice dans la même séance, mais sans les ballons dans les mains, donc sans la contrainte, ils ont eu une énorme confiance en eux, puisque à partir de ce moment-là, ils sentaient capables de quasiment tout réaliser. Et les entraîneurs qui assistaient à la séance ont pu voir la différence. Et c'est pour ça que je souhaite sensibiliser les entraîneurs au travail mental, à la combativité du gardien de but. Mais ce n'est pas juste la combativité pour se battre, mais la combativité avec un minimum de réflexion, donc avec beaucoup d'analyse. A lot of very good goalkeepers in France. What is the secret? Is it talent or is it preparation? I don't know. Je ne sais pas parce que je pense que nous sommes chanceux d'abord. La première chose, c'est que je pense que nous sommes chanceux. Parce qu'il faut savoir qu'en France, il n'y a pas d'école de gardien. D'accord ? On n'a pas créé un style de formation de gardien. Et malgré tout, chaque année, chaque décennie, la France sort d'excellents gardiens sans avoir une école de gardien. Donc c'est quand même une chance, c'est un savoir-faire qu'il y a déjà au départ. Donc on part déjà sans handicap, d'accord. Et maintenant, il faut savoir aussi que les nations, les fédérations se sont construites toutes avec le temps. Et la France n'est pas devenue aussi forte, même avec les gardiens de but, comme ça du jour au lendemain. Il y a eu des moments où la France était vraiment en difficulté, même ainsi que les gardiens de but. Et avec le temps, avec la patience, la persévérance, le travail, mais aussi l'ouverture, parce que nous sommes conscients que nous ne détenons pas le savoir ultime et que les choses doivent évoluer. Donc se laisser la chance d'évoluer et de progresser. A lot of young coaches present today and a lot of new wave coaches also the Romanian national team new coach Radish Fortunano, he's coaching in France as well. What is your opinion about this new wave of coaches? Je pense donc que de voir autant d'entraîneurs qui s'intéressent à la formation, c'est d'abord une bonne chose, puisque à partir de ce moment là c'est qu'il y a une recherche de progression, une recherche de nouvelles choses qui se font. Et ça ne peut être qu'un enrichissement. Cet enrichissement-là ne veut pas dire qu'il faut exactement faire de cette manière-là. Ça veut dire qu'il faut prendre la chose et la transformer à sa manière.
et y mettre sa façon de fonctionner. Et je pense que tous ces entraîneurs, ainsi que Raresh, ce sont des personnes qui ont compris que l'évolution du handball passe par apprendre, s'ouvrir, s'enrichir, mais aussi surtout mettre une touche personnelle dedans. Et tous les entraîneurs que j'ai pu voir aujourd'hui et qui ont assisté à la conférence semblent tous intéressés d'évoluer. Et donc à partir du moment où on cherche à évoluer, ça n'est qu'un grand pas vers une réussite. Je pense que l'opportunité qui est donnée à Raresh, pour moi, c'est une belle opportunité et ça me fait plaisir de le voir à ce poste-là. C'est un joueur avec lequel j'ai joué contre lui. Donc je connais son niveau en tant que joueur, mais je connais aussi son niveau en tant qu'entraîneur. Puisque je le vois, moi je suis à Aix-en-Provence, un club qui est juste à côté de Saint-Raphaël. Et donc je le vois très régulièrement, donc je le vois évoluer, je le vois entraîner, je le vois jouer, coacher. Et depuis des années, je vois sa progression, mais aussi je vois la relation qu'il a avec ses joueurs. Donc certes, un jeune entraîneur, mais il semble être plein de talent, il semble aussi avoir une bonne relation humaine avec les joueurs. Je pense que dans un sport collectif, on ne peut pas demander mieux. Quelqu'un qui a un minimum de réflexion, qui a une bonne relation avec ses semblables, à partir de ce moment-là, il peut mener une équipe. Donc je lui souhaite vraiment toute la chance, tout le bonheur avec dans ce nouveau défi. There's a couple of Romanian players in the French league, among which is our captain, Popescu. So what do you think could be the role of a goalkeeper with as much experience as he has to improve the rest of the team? Le rôle du gardien de but, comme maintenant tout le monde le sait, le rôle du gardien de but n'est pas uniquement d'arrêter les ballons. Le rôle du gardien de but va au-delà juste de faire des arrêts. Il représente aussi l'âme de l'équipe. Donc de donner le brassard à un gardien de but, je pense que c'est une bonne piste. Ça ne veut pas dire que tous les gardiens de but doivent être capitaines, mais je pense que c'est une bonne piste. Parce que de là, c'est la personne qui est capable de relancer l'équipe. C'est la personne qui est capable de rassurer une équipe par ses arrêts, mais aussi par la voix. Donc, ayant vu aussi Popescu, puisque nous sommes juste à côté, donc je travaille aussi avec lui, puisque de temps en temps, il donne des enseignements aux jeunes gardiens de but, que moi j'encadre, et j'aime sa pédagogie. Donc, l'avoir en tant que capitaine dans votre équipe nationale, qui est une jeune équipe nationale, je pense qu'un gardien, une personnalité comme lui, qui est aussi charismatique, parce qu'il a aussi un charisme, peut permettre aux jeunes joueurs de l'accompagner et je pense qu'il pourra très bien accompagner ces jeunes joueurs et donc à permettre de les atteindre, à dépasser ou à atteindre leurs objectifs.